comment allez-vous? Ça va bien? Bah, ça va pas mal. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand? Quand je serai grand, je ferai de la musique de film. La musique de film? Oui. Pas seulement des films, des musiques de... Je ferai de la musique, mais principalement pour le cinéma. Moi, j'adore le cinéma. C'est vrai? Ouais. Et les séries, non, vous vous en foutez complètement? Les séries, je m'en fous. J'en ai fait quelques-unes avec Hervé Hamard, je crois que j'en ai fait. Alors lui, il dit 7. Moi, je pense 8, mais... Des séries? On en a fait... J'aurais fait une série... Non, je ne me souviens pas. Non, mais c'est parce que je crois que j'ai compté les deux saisons de... Des témoins. Des témoins, c'est pour Bon, effectivement, ça fait quoi? 12 ans qu'on travaille ensemble? 13 ans? Oui, ça fait un paquet de temps. Et dire qu'on s'est rencontrés la première fois parce que tu avais un scénario de film... Et que tu avais rencontré Swan et sa compagne. Swan, c'est mon fils. Oui, Swan, c'est ton fils, oui. Ouais. Et que, je crois que c'est incidemment, tu avais appris que le père de Swan, c'était moi. On s'est rencontrés, moi j'étais fan de ta musique depuis longtemps, parce qu'un de mes films préférés de tous les temps, c'est quand même L'Armée des Ombres, de Melville. Et tu as composé la musique de L'Armée des Ombres. Et cette musique, ouais, j'avais plusieurs CD, j'ai toujours plusieurs CD de toi à la maison, dont évidemment L'Armée des Ombres. Et voilà, j'ai saisi évidemment l'opportunité incroyable de te rencontrer et de te proposer une collaboration qui, depuis Les Oubliés, Pigalle, Signature, Les Témoins 1 et 2, effectivement, Au-delà des Murs, Romance. On va parler de romance pas mal. J'espère, oui. Non, mais ce qui m'a amusé, c'est que on s'était rencontrés. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était. Tu avais un projet de film. Oui, je t'ai fait croire que j'allais faire du cinéma. Et puis après, je ne sais plus, quelques semaines après, je ne sais pas, tu m'as téléphoné. Alors, je suis très embêté parce que, est-ce que tu veux quand même faire de la télé? Est-ce que je vais faire une série? Ouais, parce qu'à l'époque, on parle il y a 14 ans, faire de la série en France, c'était pas comme le cinéma. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est encore mieux. Moi, d'abord, je préfère faire des séries que des films. Ça, c'est clair. Pour plein de raisons, et artistiques notamment. Tu avais déjà fait ce que je ne savais pas, moi, en fait. Tu avais déjà fait de la musique pour la télévision. Oui, le premier truc que j'ai fait, c'est Sébastien parmi les hommes pour la télévision. D'accord. C'est là où tu as fait la chanson L'Oiseau. Oui, ouais, ouais, c'est bien sûr. Et donc, c'est la première série. On peut dire que c'est la première série que tu as faite. Oui. Et la deuxième, il y en a une deuxième entre... Non, après, c'est toi. Après c'est Les Oubliés. Les Oubliés. Alors, quand on a commencé à travailler ensemble, on a travaillé de façon assez classique. Les Oubliés, je l'ai tourné, je l'ai écrit, tourné. Tu as lu les scénarios, tu es venu sur le tournage. Mais enfin, la musique a été composée une fois que le montage... Ouais. C'est comme ça qu'on fait d'habitude. On monte les films, on monte les séries. Et puis ensuite, la musique est composée sur le montage. Oui. Et c'est comme ça qu'il faudrait faire. Maintenant, c'est vrai que toi et moi, au fil des années, on a développé une autre façon de procéder, non? Oui. C'est-à-dire que je crois que c'est même pas une autre façon de procéder, c'est une espèce de confiance totale l'un envers l'autre. Parce que je me souviendrai toujours d'un truc, ça m'a vraiment amusé, quand on a fait Signature. Ouais. Tu es venu ici à la maison et tu m'as dit... Il me faudrait, tu sais, il faudrait que ça soit une ambiance avec comme du bois qu'on casse, tu vois. Et je t'ai joué deux accords au piano. Deux accords. Param, 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 un truc comme ça. Tu m'as dit, voilà, c'est ça. Ben, le thème, c'est ça. Et ça m'a fait rire parce que c'était pas un thème, mais c'était déjà, sans le savoir, c'était déjà ce que... On peut appeler des boucles, comme on a fait plus tard. Ouais. On a fait des boucles, c'est-à-dire sur une mesure, sur deux mesures, quatre mesures. On met trois notes et puis voilà. Ouais. Et ça a remplacé, et pas dans la romance, parce que romance, il y a des thèmes développés. Mais souvent, les boucles remplacent les thèmes musicaux. Et ça, moi, j'aime pas trop. Parce que... avec une boucle, on ne développe rien du tout, tu vois. Ouais. Il y a quatre notes de piano. Je les entends quand j'écoute beaucoup de séries aussi pour me tenir au courant et tout. Et c'est souvent... j'entends les quatre notes de piano que moi j'ai écrites, je les entends tous les jours. Et c'est pas moi qui les ai écrites en premier, bien entendu.
que tu appelles les boucles, pardon, c'est pour remettre dans le contexte, c'est des boucles sonores qu'on prépare, que le compositeur prépare, oui, pour comme une espèce de bibliothèque sonore, au fond, c'est ça? Non, enfin oui, c'est un peu ça, mais ce que je voulais dire, c'est surtout que dans cette façon de travailler, il n'y a plus de thème, on ne développe plus des thèmes, il y a 4 notes, 5 notes qu'on répercute comme ça, qu'on pose sur la première mesure, qu'on repose sur la quatrième, qu'on repose sur... etc. Mais alors pourquoi tu crois qu'aujourd'hui on travaille comme ça? Qu'est-ce qui fait que... À mon avis, je pense que c'est une question de technique et de moyens. Parce que plus ça va, moins on peut avoir d'orchestre, de vrais orchestres. Tu veux dire que travailler avec des vrais orchestres coûte de plus en plus cher et... Je sais pas, je ne crois pas que ça coûte de plus en plus cher. Enfin, il y a de moins en moins d'argent, c'est ça que tu veux dire. Il y a de moins en moins d'argent, donc les producteurs disent, bah, avec toutes les machines que vous avez, vous pouvez faire quelque chose sans être obligé de prendre un orchestre. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment une chose rare qui se perd. Enfin, heureusement, elle ne se perd pas complètement. Mais parce que nous, par exemple, on a fait... toutes les premières séries qu'on a fait ensemble, il y avait un vrai orchestre, un bel orchestre. Ouais, c'est vrai que dès Les Oubliés, on est allé à Sofia, ouais. Enregistrer avec un orchestre symphonique. Ouais. Sur Pigalle, on a fait ça aussi. Ouais. Il y a que sur Les Témoins où on a et sur Au-delà des murs où on a travaillé avec des instruments virtuels beaucoup. Voilà. Et là sur Romance, on est revenu avec Bonheur. Ah oui. Au véritable orchestre. D'ailleurs, c'est un peu particulier parce que c'est vrai que d'habitude, notre collaboration, que moi je trouve très riche et formidable, bon, comme moi je suis un fou du son, des fois on récupère tes musiques piste par piste, c'est-à-dire les cordes d'un côté, les bois de l'autre, le piano en corde sur une autre piste. Et c'est vrai que des fois au mix, nous on bidouille des choses avec mon mixeur, avec mes monteurs son, puis moi avec mes machines, parce que j'ai des machines aussi à la maison. Et on bidouille tes pistes. Et là, sur Romance, dès le départ, on s'est dit, toi et moi, bon là, c'est très différent. On n'est pas dans un thriller, on n'est pas dans un truc... enfin, il y a une atmosphère, bien sûr, mais on est dans un... L'intrigue, c'est quoi? C'est l'histoire d'un homme qui voyage dans le temps par amour et qui se retrouve projeté dans les années 60. Donc moi, dès le départ, une de mes rêves, c'était Hitchcock. Et sans vouloir parler de Herman, parce que... je t'ai pas demandé d'écrire une musique à la Herman, je t'ai demandé d'écrire une musique à la De Marsan. Mais c'est vrai que tout de suite, on a eu envie, toi et moi, d'un véritable orchestre et de revenir à la mélodie. Voilà. Et tu as eu envie de revenir à la mélodie parce que je pense que ton scénario demandait vraiment une musique mélodique. Parce que quand on a fait les deux témoins, les deux saisons des témoins, je pense que tu étais complètement en dehors d'une musique mélodique. Tu étais plutôt dans une musique d'atmosphère avec plus des sons et puis un petit piano par-ci par-là. Mais oui, c'était une approche plus harmonique de la musique. Voilà. Et moins thématique. Ouais. Ouais. C'est vrai que les thèmes, je me méfie des belles mélodies, moi, en musique, d'habitude, pour ce qui est des musiques de films ou de séries. Mais là, il en fallait pour Romance, parce que c'est une romance, parce qu'il faut assumer les émotions, les belles émotions que la série propose. Je crois que ça a été mon point de départ. Comment est-ce que toi, la musique, j'expliquais tout à l'heure que d'habitude, la musique, elle est composée après le montage. Et depuis Pigalle, on fait différemment, nous. C'est-à-dire que tu composes sur scénario, en fait. Ouais. Alors, ça a une prise de risque énorme parce que tu ne composes pas forcément que des boucles, justement. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu composes des vrais morceaux. Et la question, c'est comment est-ce qu'ils vont se marier ensuite à l'image? Mais c'est un risque qu'on prend et qui fonctionne, j'ai l'impression, non? Je pense qu'il a bien fonctionné parce que je crois d'abord qu'on se connaît bien. Donc, je pense que tu sais à peu près ce que je vais faire, même sans que je l'ai encore écrit. Et bon, j'ai un style, et tu connais le style, donc voilà, c'est pour ça que ça fonctionne. Je pense qu'il y a un tempo, commun. Ouais. C'est-à-dire que j'écris et je mets en scène à peu près au même tempo que ta musique intérieure à toi. Ouais.
C'est d'accord, je suis complètement Et d'accord. je pense que c'est pour ça que ça se marie aussi bien. Parce que, et puis, bien souvent, quand une musique est bien écrite, et avec toi, elle l'est toujours bien écrite, Merci beaucoup. quand une musique est bien écrite, c'est souvent de la magie, c'est-à-dire qu'on peut la coller à plein d'images, à plein de scènes déjà montées, et ça fonctionne, curieusement. Comme s'il y avait un rythme naturel, des fois, aux choses qui se mettaient en place naturellement. Et ça m'est souvent arrivé de monter une scène et puis on essaye avec les monteuses ensuite, avec Auric, Emmanuel et Diane, de mettre un de tes morceaux, et puis un deuxième, et puis un troisième, et les trois fonctionnent. On va dire non, on va dire que sur trois morceaux, il y en a deux qui fonctionnent, et puis ils donnent des émotions différentes. Alors c'est assez confortable pour nous au montage, parce que c'est-à-dire qu'on peut jouer avec nos Legos, jouer avec ta musique. Tout en la respectant le plus possible, et on essaye des émotions différentes, et souvent ça colle. Souvent ça colle. Et c'est intéressant parce que du coup, on peut sculpter les scènes et leurs émotions, les émotions qu'elles véhiculent, avec des morceaux différents. Par exemple, tu peux nous raconter l'histoire du thème, ce qu'on a appelé, nous, thème Margaret, Ouais. sur Romance. Un jour, tu m'as dit, ah, ça serait bien quand même que tu me fasses un thème. Il me manque un thème et tout. Et moi, C'est-à-dire, pardon, je t'interromps oui. déjà, t'avais déjà écrit deux, trois thèmes, Oui. mais je sentais qu'il en manquait un. Voilà. Ouais. Et je vais sur le tournage. C'était dans une boîte de nuit où il y avait beaucoup de musique, beaucoup des groupes de rock, etc. Et je vois Tony, Simon Abkarian. Simon Abkarian, descendre de la scène et aller tendre la main à Margaret, À Barbara à Schulz. Barbara Schulz, qui jouait Margaret, qui descendait l'escalier. Et il l'a fait avec une telle élégance. Et elle était tellement un peu amusée, puis un peu surprise. Je sais pas. Il y a eu un claque, là, pour moi, tu Bon, vois. t'es tombé amoureux de Margaret, quoi. J'ai tombé amoureux du thème, enfin, je veux dire, de Du l'ambiance. couple. Ouais. Du couple, de la robe, de la lumière sur la robe à ce moment-là, Et de lui qui la regardait, et de qui lui la qui la regardait. regardait. Ouais. Et donc tu es rentré chez toi et tu t'es dit, il faut que j'écrive un thème Voilà. sur eux. C'est ça. Et j'ai écrit vraiment en 1 heure, je l'ai fait. Et je me souviens parce que, bon, tu avais écrit deux, trois thèmes, on avait déjà. En général, voilà comment ça se passe. Avant d'écrire tous les cues, tous les morceaux, tu écris des thèmes au piano, tu me les fais écouter. Il y en a certains que j'accepte. Quelquefois, ça peut m'arriver d'en refuser, toujours pour des très mauvaises raisons. Non, 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 mais écoute, ça, je trouve que tu vois, c'est quelque chose que j'ai toujours admis, à contrario de certains de mes collègues, c'est que le metteur en scène, c'est le maître d'œuvre, c'est le roi, c'est celui qui dit, je veux ça, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux. Et donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, tu m'aurais Oui, fait non, bien faire 10 sûr. thèmes, j'aurais fait 10 thèmes, tu Ouais. vois. On avait déjà deux, trois thèmes, et voilà, c'était déjà formidable, mais je sentais qu'il manquait un petit truc, il manquait quelque chose qui emporte le tout. Et donc, tu as raconté l'histoire de ton point de vue, et moi, de mon point de vue, un jour, tu m'as rappelé, tu dis, écoute, j'ai refait un thème, là, je t'envoie une maquette par mail, et puis j'ai entendu la maquette, et j'ai dit, boum, c'est ça. Et ce thème est devenu le thème de la série. Alors, je l'aime tellement que il est pas seulement pour Margaret et Tony. En fait, c'est devenu le thème principal de Romance. Et comme quoi, des fois, voilà, tu écris une musique en pensant à quelque chose ou quelqu'un précisément, et puis c'est un bon exemple pour dire, voilà, ça s'est transformé. Cette musique est devenue tellement emblématique de la série qu'elle est devenue la série presque. Donc les choses ne cessent d'évoluer jusqu'au montage son, jusqu'au mixage. Est-ce que toi, ça te pose problème, ça, par exemple, est-ce qu'une fois que tu as découvert la série avec les montages des musiques, est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent, qui te choquent, qui t'embêtent un peu? Comment est-ce que tu vis ça? Non, moi je le vis toujours très bien. Je parle d'une collaboration comme la nôtre, hein, évidemment, parce qu'il est arrivé quelques fois où, avec des metteurs en scène,
je me prenne les cheveux tellement c'était nul et tout, tu vois, et qu'il n'avait rien respecté de la musique ni rien, enfin bon, passons. Mais je trouve que, encore une fois, tu es le maître d'œuvre, donc si tu as fait, si tu as mis cette musique qui était destinée à un endroit et que tu la mets autre part, un, je pense que tu as raison, je veux dire que tu as le droit, et deux, ça me fait découvrir quelque chose auquel je n'avais pas pensé, tu vois. Et ça m'est arrivé souvent, ça. Ça m'était arrivé avec Melville. Et avec Melville, c'est pareil. J'enregistrais tout, et puis après, il prenait tout d'un coup la musique 24, il la mettait à la place de la musique 3. Et puis il me montrait. Et à chaque fois, il avait raison, hein. C'est pas que je m'écrasais, hein, c'est pas ça, mais c'est que il y avait le point de vue de l'auteur qui fait que je pouvais pas avoir. Quoi. Mais est-ce que c'est pas ce que je disais tout à l'heure aussi un petit peu, c'est-à-dire que quand on est dans une œuvre particulière avec un rythme particulier et une atmosphère particulière, et ben les différents cues, les différents morceaux peuvent se balader et sans trahir cette atmosphère, sans trahir l'intention artistique, mais au contraire l'enrichir quelquefois. Il y a des choses interchangeables. Oui. Mais d'ailleurs, là, pour Romance, j'ai opté pour une solution que j'avais déjà un peu essayée avant, mais là que j'ai faite complètement, c'est-à-dire que toutes les musiques, si on les mettait bout à bout, elles s'enchaînent. Parce que j'ai choisi des tonalités qui font que si on arrive à la fin d'une musique en do mineur, je m'arrange pour que ça passe en la mineur sans problème. Oui, c'est ça qu'on a fait aussi. C'est ce qui est malin, c'est une bibliothèque musicale, c'est des morceaux indépendants les uns des autres, mais aussi moi je pouvais les prolonger, ils pouvaient s'enchaîner naturellement, presque voilà. Thématiquement, d'un point de vue chromatique. Et ça, je trouve que c'est justement dans une série. Je pense que dans un film, c'est la même chose. On peut faire procéder par les mêmes moyens. Mmh. Mais dans une série, je pense que c'est un apport de plus au metteur en scène de pouvoir qu'il puisse intervertir les musiques et même les enchaîner et que tout se passe bien, quoi. La musique de Romance, tu l'as enregistrée où ? À Budapest. Pourquoi Budapest ? Pour des raisons de budget. Ouais, c'est moins cher d'enregistrer dans les pays de l'Est que d'enregistrer en France. Ah oui. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais. C'est toujours le cas. Et en plus, mon agent s'est battu pour avoir ce budget. Donc tu as écrit pour Romance, tu as écrit quoi ? Une heure et demie de musique ? J'ai écrit... 1h40 ? Ouais, j'ai écrit à peu près 1h40, 1h45. Ouais. Et on a enregistré, je crois, 1h30 ou 1h... Ouais, 1h30 de musique. Et puis, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est souvent livré alors, c'était pas livré par piste, mais cette fois-ci, mais vous avez enregistré des prises avec piano seul ou cordes seules, des choses comme ça, ce qui, moi, me permettait d'avoir plus de matériel dans la bibliothèque sonore. Effectivement, ouais. Il y avait des morceaux que vous pouvez utiliser avec l'orchestre complet et puis ensuite une version juste... juste les percussions, par exemple. Mais qu'on réenregistrait. Oui, oui, c'était oui. Pas au c'était milieu de l'orchestre. Oui, c'était une prise. Parce que, au milieu de l'orchestre, dans un orchestre comme ça, c'est pas possible de faire des stems. Parce qu'il y a toujours des instruments qui repassent dans les pistes des autres. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et alors, quel est ton rapport aux nouvelles technologies, aux ordi, tous les instruments virtuels qui sortent en ce moment ? C'est à la fois formidable pour les maquettes, mais il faut que ça reste. Idéalement, il faudrait que ça reste à l'état de maquette, de ton point de vue, j'imagine. Ben oui, mais c'est là où les producteurs ne jouent pas le jeu, quoi. C'est que ils disent, ben, ça suffit, c'est très bien comme ça, pourquoi aller prendre un orchestre ? La musique est quand même le parent pauvre du budget en France. C'est vrai que souvent, ça arrive au dernier moment, il n'y a plus d'argent, faut faire la musique avec 3 francs 6 sous. Ouais. Romance sans ta musique, c'est plus du tout la même série. Ça, c'est vrai. Grâce à tes thèmes, grâce à cette musique, on a pu vraiment se plonger dans les années 60. Bon, évidemment, les costumes, les décors, la lumière, etc. Mais
Mais les gens qui ont vu la série me parlent quasiment tous de la musique. Et c'est assez rare qu'on me parle de la musique à ce point-là. Donc ça veut dire que donc ça veut dire qu'on a réussi peut-être notre coup, en tout cas au niveau de la musique sur cette série. Pas que au niveau je sais pas. Écoute, c'est une série superbe. C'est magique en plus. C'est magique d'ailleurs. Tu m'as demandé de faire des thèmes magiques à un moment. Ah bon, je t'ai dit ça. Ouais. Pas magique, merveilleux. Ah, je t'ai dit d'aller dans le merveilleux. Ouais, oui. Ouais. Bah écoute, je sais pas si on a réussi, mais j'espère. Bah, j'espère aussi. Moi, je pense que c'est une très belle série. Et en plus, dans laquelle le metteur en scène m'a donné toute liberté. Il m'a, ça, c'est vrai. Là, et je me souviens, avant que tu commences le tournage, tu m'as dit, ah ouais, cette fois-ci, tu fais ce que tu veux. Ouais. Et en fait, je n'ai pas fait ce que je voulais, parce qu'il fallait que ça colle au scénario, bien entendu. Mais tu m'as dit... Ça veut dire que quand tu lis une première fois le scénario, tu le laisses reposer, tu le lis plusieurs fois avant de commencer à travailler, ou tu restes sur l'émotion de la première lecture et tu commences déjà à travailler? Écoute, je vais te faire une confidence et un compliment en même temps, parce qu'on apprend toujours, tous les jours on apprend quelque chose. Et j'ai commencé à lire le scénario, et je te demandais les longueurs des plans, etc. Et j'ai commencé à t'embêter avec ça. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est j'ai commencé à travailler sur Jérémy. Et Jérémy, j'ai écrit à l'image, comme si le film était monté, à l'image, en essayant de respecter les temps et tout ça. Première maquette que je t'envoie sur Jérémy, tu me dis « Ah non, ça va pas du tout, non, non, ah non, pourquoi il y a ce son-là ?» Ah oui, je me souviens. Tu te rappelles de ça? Ouais, ouais. J'avais mis un, je sais pas. Oui, il y avait trop d'événements. Voilà, il y avait trop d'événements musicaux. Voilà. Et là, c'est là où je te dis que je te remercie, c'est que tu m'as dit non. Ce qu'il faut, c'est que c'est que tu. Il ne faut pas que tu te mettes à ma place. Il faut que tu te mettes à la tienne. Et ma place, c'est filmer une voiture qui roule le long de la côte, c'est filmer ce qu'il y a dedans, c'est déjà donner des intentions de jeu, c'est donner de la dramaturgie par moment, mais c'est pas à toi de le faire, c'est à moi. Et toi, tu dois être autre part, toi. Oui, je t'ai demandé de pour chaque scène où il y avait de la musique, où il fallait de la musique, d'imprimer une atmosphère dans la scène et ensuite de s'y tenir, c'est de rester dans cette atmosphère-là du début à la fin de la scène, de façon à ce que quelle que soit la longueur de la scène, moi, la musique puisse coller. Ouais. Et c'est surtout ne pas y mettre d'intention précise à des moments précis. Ne pas faire de... Oui, ne pas mettre un événement. Par exemple, s'il y a un personnage qui sort un flingue à un moment donné, voilà, oui. Faut pas marquer... N'exagérons peut-être pas là-dessus, mais... C'est pour donner un exemple. Oui, c'est un exemple. Ouais. Mais c'est vrai. Sinon, ça vient du dessin animé. Oui, on n'est pas trop dans le dessin animé. À non. Non. Bon alors, c'est parfait tout ça, on comprend un petit peu mieux comment Romance s'est construit musicalement. Quelle est ta plus grande frustration sur cette série? Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais voulu faire et que tu n'as pas eu le temps, que tu n'as pas pu? Non, j'ai aucune frustration, je suis ravi, je suis content. J'étais content à l'enregistrement. En plus, on se parlait par Skype. Oui, parce que j'étais en tournage quand la musique a été enregistrée, donc ouais. pour un week-end. Et à chaque fois, je te faisais écouter, et puis j'attendais à la fin du morceau, et tu me disais, bon, ok, pas de problème. Ouais, c'était super, je me souviens tout de suite. Donc, tu vois, moi, je ne peux pas avoir de regrets, quel qu'il soit, sur cette musique-là, parce que, d'abord, j'avais les coudes franches, parce que je pouvais faire ce que je voulais, dans un cadre, bien entendu, mais... tout ce que j'ai écrit, pour moi, c'était une espèce d'évidence. C'est quand je parlais tout à l'heure de changer d'harmonie et changer de tonalité, tout ça, ça venait tout seul et ça venait sans avoir une image précise à respecter, mais une ambiance de l'image précise. Super. Bon, bah écoute, bah vivement la prochaine série alors. Bah écoute, oui. Hein? Bah,
J'espère bien. J'espère aussi qu'on aura un orchestre. Hein. Oh ben, deux. Allez, on va faire deux orchestres. Oui, je veux bien. Deux orchestres. Oui. Allez, à bientôt, monsieur de Marsan. À bientôt, Hervé.